Il est de notre devoir de dire non aux actes barbares dans les milieux étudiantins et scolaires dans notre pays. Il est déplorable de corrompre et livrer son corps pour obtenir des points. Est-ce correct dans les milieux académiques aujourd'hui qu'un étudiant ayant bien travaillé puisse manquer des cotes? Dans ce court-métrage, nous prenons la dénonciation de tous ces actes indignes et déplorables se déroulant dans les milieux académiques que subissent certains étudiants. Et par la même occasion, nous disons non à la corruption. Prof. Oui, mademoiselle. J'ai une préoccupation. J'ai passé mon jury avec toutes les signatures, mais j'ai manque de cotes. Manque de cotes? Oui. Tu t'appelles comment? Prétine Toumba. C'est ton, c'est un joli nom. Attends un instant. Je... Ah, voilà. Prétine Toumba. Prétine Toumba. Oui. Je vois ce chèque, tu n'as que 7, 0 et puis 4. C'est déjà un échec. Comment est-ce possible? Je sais. Si tu as un prix, maman, tu sais. Un prix? Ouais, c'est hors prix. Tes amis viennent si elles savent. À moi, non. C'est à toi de voir. Je suis en dégoût, je sais pas quoi faire. On passe les garçons du home, on dessine pour toi, maman. Tandeni. Hé, bon ça, on revient. Moi, je pars souvent là-bas. Moi, je dessine plus. Bien ici, Mbati, avec beaucoup de tout soin, non, mon athée, qu'est-ce qu'on crée, les problème. Yvonne, je connais un garçon, il s'appelle Mojé. Il dessine très bien en dessiné, ou bien tu seras satisfaite. Tu seras vraiment satisfaite. Hé, regarde. Oh, Préti. Waouh, elle est jolie, hein. Avec elle, peut-être on en pose la solution. Peut-être qu'elle va te donner la solution. Yeah. Avec elle, tu auras la solution. Merci, salut, salut bébé, salut. Comment tu vas? Ça va? Ça va bien, et toi? Assis-toi. Tu vois vraiment avec ta taille là. Sinon, tu es très soucieuse. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, je suis en débandade, je ne sais plus quoi faire. Hé, hey, toi avec tes débandades, pardon. Yeah. Avec ta débandade, tu es au coup fort. Mais sinon, vous savez qu'on a affiché les résultats. Sérieux? Et on a affiché. Depuis quel jour? Ah bon? Ben moi, j'aurais un V dans les photographies. Là, c'est sûr. Vous avez fait l'examen? Ben, V déjà presque pas. Alors, regardez alors. Ok. Regardez. Vous regardez, moi je sais que j'ai pas réussi. Non, t'as dans la côté. Moi je sais que j'ai pas. J'ai déjà peur. Je sais que j'ai. Ça va, tu as vu ton nom? Hey. T'as vu là? T'as vu? Ok. Oh. Académie Naya. Ah,
Mon Dieu, me voilà obligée de faire la deuxième session. Qu'est-ce qui m'arrive? Comment puis-je échouer? Ce professeur, pourquoi me regardait-il de cette façon? Que signifiait ce regard? Comment est-ce possible? J'ai pourtant bien travaillé. Comment ai-je échoué? Non, ce n'est pas grave. Je vais travailler dur. Je vois cet échec, tu n'as que 7, 0 et puis 4. C'est déjà un échec. Comment ai-je échoué? Ouf. Que dois-je faire? Je sais. Ce professeur. C'est un prix, mon prix, tu sais. Un prix? Ouais, c'est hors prix. Tes amis viennent si elles savent. Mes amis, que savent-elles? Que font-elles? Mais quel est ce prix à payer? Posez-moi, tu arrives ici. Vraiment? Et puis, juste que c'est que tu finisses, je peux m'assurer que tu restes. Alors, et qu'est-ce que tu me fasses toujours de ce qu'il bien. Qu'est-ce que tu penses? Ah, mais tu sais, ta parole vaut une fois des millions, tu sais. Ta parole vaut des millions? Sérieusement? Sérieusement. Non, je te crois pas. Moi, je fais une preuve parce que je peux pas me donner ces mots comme ça, ça se fait pas. La preuve, c'est déjà que tu es passé en G2, c'est grâce à moi, je sais, parce que tu n'as pas réussi. Bah oui, ça se comprend. Et qu'est-ce qui prouve encore que tu vas encore faire ça? Rien ne prouve, mais tu crois que tu me fais du bien. Tu sais, moi, c'est depuis longtemps si tu me plais. Hein. Moi, je t'aime beaucoup, tu sais. Oui. En même temps, je t'aime beaucoup, tu sais. Je sais que tu m'avais fait marrer, moi, laisser un peu nostalgique, tout ça. Vraiment? Tu sais, quand je rentre dans la salle de classe, je n'ai pas de regarder. Sérieusement? Je pense que c'est ce que tu m'as fait, tout ça. Oh là là. Tu vas me faire pleurer, en tout cas. Mais moi, mais t'as un apôtre, t'as un peu de jeune et saigne. Sérieusement. Mais tu sais que moi j'ai pas envie de continuer à trop travailler. Tu penses à m'en mettre tous les points directement. Ça fait quoi? Ça dépend de toi. Vraiment. Pour lui, ça y est. Il faut quoi? Eh ben petit, c'est tout le cas, t'as ma mère, ça. La prof. Si nous voulons les chapeaux. Mais rien qu'à moi, sinon à côté, ça fait l'autre, hein, échanger l'un fait l'autre. Mais tu dois arrêter de courir derrière toutes ces filles-là. Moi, je suis plus. Vraiment. Et puis, jusqu'à ce que tu finisses, je peux m'assurer que tu restes.